Hey, salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Je vous avais promis de vous parler de Jean Charest et de ce qui est en train de lui arriver, d'arriver au Parti libéral, des allégations qui sont sorties hier à l'émission Enquête. C'est pas beau, c'est pas beau. Malgré qu'il y a comme, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un pattern lien avec entreprise, construction, mafia. Il y a toujours, hein, on dirait qu'il y a un pattern. FTQ, ça revient souvent. En tout cas, Enquête. Ou pas enquête. Bon. Là, ce qu'on va faire, je vous l'ai dit, on était pour faire un play-by-play. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup observer le travail des journalistes et je suis content de ne pas faire partie de cette profession. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça fait partie du cursus scolaire de ces gens-là. Il semble qu'ils sont très, très souvent paresseux. Et hier, lorsque les journalistes qui font partie de la caravane de Jean Charest lui ont posé des questions. Je dois avouer que Jean Charest s'en est fort bien sorti à un point tel qu'il a, il les a déjoués comme des pirouilles. On va s'attarder sur deux choses. Vous allez vous attarder sur le body language du premier ministre et aussi sur son phrasé, comment il dit les choses. C'est très, très important. Donc, on écoute le premier extrait. Depuis que je suis premier ministre du Québec, je n'ai jamais été informé d'enquête policière et je n'ai jamais intervenu dans des enquêtes policières. C'est simple, c'est clair, c'est ça. Donc, qu'est-ce que dit Jean Charest ici? Jean Charest dit « Je n'ai pas été informé. Je n'ai pas été informé. Je. » Il n'a pas été informé. OK. On va le croire. S'il n'a pas été informé, lui. Je vais vous inviter à écouter tout de suite un deuxième extrait, mais gardez ça en mémoire. Lui n'a pas été informé. Lui. Écoutez bien cet extrait-ci. Moi, je peux vous dire une chose, là. Jamais, 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 je ne suis intervenu. Jamais. Est-ce qu'il vous protège, M. Charest? Non. Je n'ai pas fait arrêter cette enquête-là. Je n'ai pas téléphoné. Je. Encore une fois, je. Pourquoi je vous mets le, tu sais, je vous dis de regarder là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait de la politique, qui ont déjà participé à des activités politiques, travaillé avec un candidat? Première chose qu'on apprend à un politicien, c'est « salis-toi jamais les mains ». Quand on dit « salis-toi jamais les mains », ça veut pas dire « sois honnête ». Non, 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 non. Ce qu'on dit, c'est « fais faire la job par quelqu'un d'autre » pour ne pas que toi, tu te compromettes. Si, par exemple, un politicien a accepté de l'argent, que ce soit fait de façon légale ou illégale, c'est jamais le politicien qui va prendre l'argent, qui va prendre le chèque. Jamais. C'est toujours une tierce personne qui va prendre cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'on pourra toujours ensuite l'accuser de toutes sortes de choses. « Ah, il a pris tant d'argent! Ben oui, j'ai la photo! Je suis témoin! J'ai un témoin ici! » Puis à ce moment-là, ben tu sais, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, mais c'est vrai qu'il a accepté cet argent-là. Fais-le faire par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'après ça, au pire, qu'est-ce que le politicien va dire? « Ah, mais je savais pas! » C'est quelque chose qui revient souvent, avez-vous remarqué, entre autres chez Jean Charest, mais surtout chez Jean Charest, tiens, vous pensez que c'est juste lui? Non, non, non. Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, souvenez-vous, il y a quand même eu plusieurs allégations là, sur M. Tremblay, sur son administration. Quand même, son numéro 1, là, tu sais, Frank Zampino, tu sais, t'as le maire à Montréal, puis numéro 2, là, c'est le président du comité exécutif. Le président du comité exécutif impliqué dans moult scandales. C'est pas au courant, hein? Claude Dauphin, autre numéro 1, impliqué dans moult scandales. Le maire n'est pas au courant. Faubourg contre-camp. Le maire n'est pas au courant. On peut en sortir des dizaines d'histoires comme ça. Il n'est pas au courant. Pourquoi? Ben non, il n'est pas au courant. Il fait faire la job par quelqu'un d'autre. Revenons à Jean Charest. Jean Charest dit quoi? Jean Charest dit « Je n'ai pas fait arrêter cette enquête-là. Je n'ai pas téléphoné. » Vous savez quoi? Je vais le croire là-dessus. On va le croire. C'est vrai. C'est pas lui qui a téléphoné. Ben non! Ça se peut-tu qu'il ait fait téléphoner quelqu'un d'autre? Mais là, ce que je veux vous faire remarquer, c'est le travail des journalistes. Oui, oui, le travail des journalistes. Pourquoi?
Parce que la première question a été posée, elle était normale dans les circonstances après le reportage d'enquête. Monsieur Charest, avez-vous fait arrêter cette enquête-là? Évidemment, pour lui passer la porte, pour qu'il réponde quoi? Mais qu'il réponde, non, je n'ai pas fait ça. Je! Donc, journaliste qui a un petit peu de curiosité intellectuelle, qui pense un peu comme Colombo, qu'est-ce qu'il va dire? OK, vous me dites que vous n'êtes pas intervenu. D'accord, on va vous croire. Est-ce que maintenant quelqu'un autour de vous est intervenu? Oh, ça, c'était la bonne question à poser. Est-ce qu'un journaliste a posé cette question-là? Pas toutes! Pourquoi sont paresseux? Sont paresseux? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aller vérifier plein de monde autour de Jean Charest. Ben oui, mais c'est comme ça qu'ils vous déjouent, les politiciens, les petits amis. C'est comme ça. C'est comme ça que le maire Tremblay est encore au pouvoir, puis c'est comme ça que Jean Charest est encore au pouvoir. Puis c'est pas comme si ça datait d'hier qu'on sait ça, qu'il y a peut-être des liens très, très douteux. Est-ce que c'est depuis hier qu'on sait ça, les petits amis? Simonac. Donc, pendant tout ce temps-là, que fait Jean Charest? Jean Charest manœuvre, fait une manœuvre défensive, repousse la POC. Qu'est-ce qui est arrivé 12 heures après, même pas, la sortie du reportage d'enquête? On apprend la démission de Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois, évidemment, les gens, disons, de notre famille politique de droite, j'en ai lu plusieurs aujourd'hui, entre autres sur les réseaux sociaux, on sait bien que Gabriel Nadeau-Dubois, son message passait plus, là. Hey, on est en vacances. Depuis que je suis kid, que j'étais étudiant, on passait les vacances dans les associations étudiantes, qu'est-ce qu'ils disaient? Vous allez voir, on va avoir un automne chaud. Ils nous disent ça depuis tout le temps. Depuis que des associations étudiantes, nous entendons toujours, on va avoir un automne chaud. Ben oui, pourquoi? Parce que l'été, on se prépare un peu, il se passe rien. Bon, OK, il y a eu deux votes, un à Valleyfield, un à Saint-Jérôme, où est-ce qu'on veut rentrer à l'école, puis c'est normal, puis je suis bien content pour eux autres, peut-être pas. Mais, vous attendez, pensez-vous que c'est fini? C'est pas fini. Est-ce que le message de Gabriel Nadeau-Dubois passait plus? Moi, je pense pas. Son message, dans sa clientèle, bien évidemment, passait toujours. Qu'est-ce que je vous ai dit hier dans l'éditorial? Jean Charest et son entourage possèdent toujours de l'information sur les gens autour de lui quand ils font du trouble. Marc Bellemare, il a fait du trouble. Il a sorti de la merde de sa famille de Marc Bellemare. Sortez n'importe qui autour de lui qui a fait du trouble. Un ministre, Couillard, il a fait de la merde. N'importe quel ministre qui voulait, oups, il serait peut-être bon, il serait peut-être bonne comme chef, il a sorti de la merde. Quelqu'un autour, quelqu'un dans les partis en face de lui, commençait à émerger, commençait à placer quelque chose, commençait à devenir une menace pour le Parti libéral, il sortait de la merde. Ça a toujours été ça. Pensez-y deux secondes. Pensez-vous que Gabriel Nadeau-Dubois, qui était en pleine tournée québécoise et ça allait plutôt bien, avait commencé sa tournée, est-ce que tu fais ta tournée si tu veux pas te représenter, si tu veux démissionner? Est-ce que tu prépares ton Québec tour? Non. Qu'est-ce qui est arrivé, pensez-vous? Est-ce que ça serait par hasard que M. Charest, pas directement M. Charest, l'entourage du Parti libéral, on a fait savoir à l'entourage de Gabriel Nadeau-Dubois, nous avons de l'information qui sera pas bien belle. Est-ce que tu veux qu'on la sorte ou est-ce que c'est mieux que tu t'en ailles? Mais... On est en droit de le penser. Ça serait pas la première fois. Si c'était exceptionnel, pourtant je suis pas un adepte de théorie de complot ou quoi que ce soit, mais pensez-y, c'est comme ça depuis au moins 2003. Alors pourquoi ça serait différent avec Gabriel Nadeau-Dubois? Je suis pas en train de le défendre, là. T'sais, il va vivre avec sa conscience, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a dit. C'est pas ça. Mais vous trouvez pas le timing pas mal intéressant? Parce que tout d'un coup, à cette heure qu'arrive la démission de Gabriel Nadeau-Dubois, on parle beaucoup moins des histoires et des fréquentations de Jean Charest. Vous avez pas remarqué? Et là, que fait Jean Charest maintenant qui a repoussé ça, hein, qui a envoyé la POC, qui l'a ramené au milieu de la patinoire, merci, bonsoir. Qu'est-ce qu'il fait?
c'est qu'il emploie le langage conservateur pour essayer d'aller chercher votre vote, vous, gens de droite. Alors, donc, il s'est placé pour la loi et l'ordre, hein, parce qu'il... Il l'a créé, cette crise-là, avec les étudiants. Ce qui s'est passé avec les Rouges, ça l'a bien arrangé. Ça a permis de polariser le Québec et de séparer le Québec en deux. Donc, c'est sûr qu'en se positionnant comme ça, il forçait les gens qui se disent de droite, particulièrement ceux qui sont plus réactionnaires, entre autres dans la région de Québec, à se positionner avec lui. Et l'autre chose qu'il a fait, remarquez depuis, c'est pas que depuis hier, vous n'avez pas vu qu'il pointe davantage Radio-Canada parce que c'est un mantra aussi chez les gens de droite. Et on est tous d'accord que Radio-Canada est un média qui est très biaisé, très à gauche. Je vous apprends rien en disant ça. Mais vous avez remarqué que Jean Charest, soudainement, commence à frapper sur Radio-Canada. Pourquoi? Parce que chez les gens de droite, c'est quelque chose qui résonne. Souvenez-vous, en 2003, qu'a fait Jean Charest? Il a adopté pratiquement le programme électoral de l'ADQ qui était un peu plus à droite à l'époque. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été élu. Donc, il a volé, il a été siphonné le langage de droite, la réingénierie de l'État. Quand je vous dis, hey, si je vous dis ça, j'arrive, là, réingénierie de l'État. C'est de la musique à vos oreilles, bien sûr. Donc, à ce moment-là, si je vous dis, ouais, Radio-Canada, c'est biaisé, c'est n'importe quoi, c'est de la musique à vos oreilles parce que vous savez que c'est vrai. Donc, Jean Charest, en faisant ça, essaie de vous parler. Donc, vous, ce que vous avez à faire, votre devoir, c'est de vous dire, OK, quand il est au pouvoir, Jean Charest, est-ce qu'il gouverne à gauche ou est-ce qu'il gouverne à droite? Est-ce qu'il gouverne pour moins de gouvernement? Est-ce qu'il gouverne pour plus de gouvernement? Est-ce qu'il gouverne de façon honnête ou malhonnête? Est-ce qu'il vous dit toute la vérité ou vous en cache des bons bouts? C'est ça que vous devez vous demander avant d'aller voter. Pas rien d'autre. Salut!